Wel, oui, uh, apri den men, uh, sy'n te important po un gros repons o jodwy. Wel, happy apri sy'n men, uh, le keep, le staff, uh, tu uh, tre di siw avec. Avec le performance, avec le result. Uh, and we, oui, so, uh, nous avons besoin un repons Oui, ce matin, c'est un uh, matin horrible. <laughs> c'est uh, le Kinney Rob, uh, deux fois, uh, il, il m'a plu, and, uh, avec uh, Mal Nouvelle, Mouvée Nouvelle, Mouvée Nouvelle, uh, avec uh, Joe Chan et uh, Ben Garcia. Donc so, um, uh, le matin, c'est difficile, mais. Paul Segier, At, have been." It was about the players that played, not the players that didn't play. It was um, it was a difficult week all up. You know, six-day, six-day turnaround after Castleford with the travel. Um, the injuries we suffered at Castleford. Uh, you know, Tyrone May we thought would recover in never. When you get your opportunity, you take that chance. And we did that against a very, very good team today. I thought we were under pressure at the start of the game. Obviously, they scored two tries quite early and we were 8-0 down. And for me, thankfully, Mr the goal kicks. It sort of keeps the scoreboard a little bit closer and you get that feel. But I think once we found our rhythm, I think um, we found that midway through the first half. Um, we found some rhythm, we found our second wind and uh, we went on to, to play pretty consistent after that. and I don't want to get too carried away but that is a great result and a great performance from a team on the back of the adversity it's had this week and what happened during the week and this morning And to come back from 8-0 down two tries down as well and respond that way uh, in that weather was, uh, was great c'est vrai c'est vrai un gros match contre Saint-Hélène c'est le premier Euh, voilà Le score 20 à 18, c'est un score serré. Mais bon, je pense que le match, on l'avait en main à, à partir de la 70e minute. On se prend un essai un peu, un peu casquette. Mais voilà, première mi-temps, c'était compliqué. Euh, il marque euh, deux essais coup sur coup, mais voilà, on n'a pas lâché. Et ensuite, on arrive à revenir avant la mi-temps. Les remplaçants ont fait vraiment un gros job. Et ensuite, voilà, le match, on se le gagne en deuxième mi-temps. Et c'est vraiment une grosse performance. C'est vrai, ben, en équipe de France, on a eu deux blessés. Ensuite, on en a eu deux autres contre Castleford. Là, il y a eu quelques malades. Donc, c'est vrai qu'il voilà, y a eu des changements qui ont été faits au dernier moment. Mais bon, que ce soit Arthur, Paul, tout ça, ils ont fait un super match. Donc, c'est vraiment positif. Ouais, c'est vrai. Ben, je pense que là. Euh, les, les jeunes français montrent qu'ils ont leur place de jouer en Super League et que c'est vraiment des bons joueurs. Et que même s'il y a des, des joueurs australiens ou des joueurs peut-être un peu, un peu, je ne sais pas, peut-être meilleurs, ou alors soi-disant meilleurs, euh, c'est vrai que les, les, les jeunes français assument leur rôle et font vraiment des bons matchs. Aujourd'hui, on l'a vu, on avait pas mal de français et finalement, on a, on a su gagner contre les premiers, donc c'est vraiment positif. Voilà, on était vraiment concentrés euh, pour aller à la guerre. Steve nous a parlé d'aller à la guerre, voilà, on était chaud et. Euh, et c'est pas grave, même si on était que 17, on était vraiment motivés, on allait travailler les uns pour les autres. Et finalement, ça a payé. C'est vrai, en plus, moi, le dernier match que j'avais joué contre eux, c'était à la finale. Je n'avais pas joué les, les deux derniers matchs, donc c'est vrai que ça me tenait à cœur de jouer contre eux. Et en plus, c'est vraiment une super équipe, ils commencent très très fort les matchs. Ils nous ont gagné en coupe, ils nous ont gagné le premier match de la saison. Donc là, vraiment, on avait à cœur de, de remporter ce match chez nous. Et même, comme tu as dit, même si on avait pas mal de blessés ou d'absents, ben, on a montré qu'on qu était une belle équipe et qu'on méritait d'être dans, dans le top 2. Oui, il fallait une réponse. C'est vrai que le match de la semaine dernière, on aurait pu le gagner largement. Euh, sauf qu'on le perd d'un point. Euh, on va jusqu'au Golden Point. C'était vraiment dommage. Et voilà, toute la semaine, c'était basé sur être calme, sur le fait de de construire la pression, de ne pas s'affoler, tout ça, et, et vraiment d'être tueur à certains moments. Et là, c'est ce qu'on a fait. Et je pense que c'était une belle enfin, Je pense que c'est une belle réponse de gagner chez nous avec des absents contre les premiers. Ouais. Là, on a huit on a jours, je crois, pour récupérer, parce qu'on joue le dimanche. Là, on là, n'avait eu que six jours par rapport au match de Castlefort. Donc, euh, ça fait deux jours en plus des récupes. Euh, après, moi, personnellement, euh, j'ai joué l'année dernière euh, au Magic Weekend, et je pense que c'était le, le meilleur match de ma vie au niveau de la sensation quand on gagne à la, à la fin. Donc euh, voilà, je me languis vraiment d'y être et euh, c'est vrai qu'on me dit que c'était euh, un match pas comme les autres, et c'est la vérité parce qu'il y a vraiment un engouement spécial et que c'est un stade différent et, et voilà surtout Warrington c'est une belle équipe même s'ils sont pas pas au top niveau classement, euh, ça va être un, un très bon match ouais. Quelle journée euh, hier j'étais 18e, je jouais pas et euh, Steve m'appelle ce matin je devais je, comment je commençais sur le banc et je devais même rentrer seconde ligne ou pilier je devais être je devais rentrer partout où il y avait un manque et puis euh, finalement j'ai fini à l'aile et avec une, une belle victoire donc euh, une belle journée ouais un match fou un match fou mais un match je pense contrôlé de notre part euh, un match où on, on s'est senti bien on n'a pas c'était pas un match euh, comme a dit dans Steve, de talent je pense que c'est un match d'effort de réponse par rapport au week-end dernier week dernier et euh, c'est ouais, ça fait du bien c'est une belle belle victoire belle journée je pense qu'à chaque fois que quand on fait des, des, des mauvaises perfs, on s'en veut. Et euh, je pense que c'est ça. Euh, euh, L'équipe des Dragons, le club des Dragons, on veut montrer qu'on est toujours au, au top tous les week-ends. Et, euh, et je pense que ce week-end, enfin, on a montré que même avec des absents, on pouvait compter sur, euh, sur tout le monde, euh, le, tout l'effectif. C'est bien, on a gagné le premier mais ça reste deux points et euh, il faut continuer dans l'humilité et à continuer à travailler comme on le fait. C'est quand même bien, c'est super, euh, je pense que le, tec, le contexte aussi le rend super, mais ça reste deux points et il faut se concentrer sur le Magic Weekend et, et remporter le maximum de points qu'on pourra. C'est des, des actions comme ça qui donnent de la confiance. Je pense que bon, personnellement, euh, je n'étais pas super content de mes matchs euh, ces, derniers, ces derniers temps, surtout défensivement, et, euh, et là... Euh, une, une, une belle action c'était un retour après c'est pas je pense pas c'est pas ça qui nous fait gagner le match c'est une, une généralité c'est pour ça qu'on gagne le match mais ouais c'est des petits moments de confiance comme ça qui vont faire du bien pour le reste de la saison c'était un bon match on a réussi à, à recoller au score rapidement je pense c'est ce qui a fait douter saint hélène parce que voilà, ils ont ils ont l'habitude que quand ils commencent à enchaîner les les essais les équipes ont l'habitude de, de baisser de régime et nous on a réussi à répondre je pense que ça les a déstabilisés un peu et ce qui nous a permis de d'emporter de ce match Très grosse performance avec quelques lacunes. Voilà, quand même, on gagne que 20-18. Certes, on a réussi à bien contrôler le match mieux que à Castelford, mais voilà, on a encore des, des choses à travailler pour, pour espérer finir dans le top 2. Voilà, on a réussi à concrétiser les, les petits coups à jouer. Voilà, on a fait beaucoup moins de fautes de main et ce qui a, on a eu plus de complétion de, de ballon Donc, voilà ce qui leur a permis de les épuiser plus facilement. Parce que surtout au milieu, le but c'était de les faire bouger et on a réussi à bien le faire Je, pour Alex Wormsley, C'est on le fait bouger au bout d'un moment, il craque et même si c'est un début de. Première mi-temps, il nous avait fait un peu mal. Après, on l'a plus trop vu, donc c'est ce qui, c'était le but. Ouais, très grosse intensité. Même nous, on l'a senti. Euh, <laughs> J'ai quelques courbatures, mais ouais, une bonne intensité. Et c'est les matchs comme ça qui fait que, qu'on progresse.